Fini les abus des démarcheurs au tribunal de grande instance de Lomé. 25 animateurs formés par la SMPDD sont officiellement installés le 7 octobre pour lutter contre ce fléau et garantir un service transparent aux citoyens. Le bureau d'accueil d'orientation des justiciables est une initiative de la DADJ, la direction de l'accès au droit et à la justice, appuyée par la SMP et de la Solidarité mondiale pour les personnes démunies et les détenus. Et donc, cette initiative permet de pouvoir et constituer une barrière contre ce phénomène de démarcheurs de justice qui gangrène notre justice. En gros, les animateurs du bureau Baoj vont pouvoir accueillir tous les justiciables efficacement, les orienter, pour qu'ils ne puissent plus être la proie de ces individus véreux que nous appelons les démarcheurs de justice. En 2022, la Solidarité mondiale pour les personnes démunies et détenues a pris en charge les activités du bail au tribunal de grande instance de Lomé en collaboration avec la direction de l'accès au droit et à la justice. Aujourd'hui, ces 25 animateurs installés devant les autorités orienteront les citoyens vers des solutions légales, réduisant ainsi les risques de fraude, et cela sans frais. C'est un service gratuit. Si un justiciable vient à la justice, s'il est perdu dans la méandre, bien que la justice est connue de tous, mais les services sont un peu compliqués pour l'individu lambda. Et quand n'importe quel individu vient au tribunal, il a la possibilité d'aller au bureau d'accueil d'orientation des justiciables pour s'informer déjà et aussi pour pouvoir être orienté au cas où il a besoin d'un service particulier, il peut être redirigé efficacement vers le service qui est à même de pouvoir prendre soin de son cas ou qui est à même de pouvoir lui fournir le service dont il a besoin.